tous, on se retrouve pour la Saint-Nicolas. Nous sommes le 6 décembre. Je vais tout de suite allumer la bougie qui rétrécit de jour en jour. Alors, on va commencer par le thé du jour. Alors, Rother Winter Punch, ça veut dire le punch de l'hiver, un punch de l'hiver rouge. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des pommes sauvages, de l'hibiscus, du gingembre, de la cannelle, des feuilles de mûrier, du clou de girofle, des pelures de gratte-cul, de la cardamome. Bon, ça va être sympa, ça va sentir un peu le vin chaud, je pense. Voilà, alors l'odeur, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, ça sent le Jägertee, c'est-à-dire c'est un thé qu'on boit quand on fait du ski en Autriche ou en Allemagne, en bas des pistes. Et c'est un thé qui s'aromatise avec plein de ben, toutes ces épices. Et puis, pour que vous ayez la pêche, il rajoute une goutte de rhum dedans ou une goutte de leur alcool local. Bon, là, il n'y a pas d'alcool, mais ça sent vraiment ça sent toutes les épices. C'est pas un vin chaud, c'est un thé aromatisé et un peu alcoolisé. C'est très bon. La tasse du jour, alors c'est une tasse commerciale, hein, vous pouvez le voir, Milka, mais je l'ai gardée parce que c'était quand mes enfants étaient petits, à Noël, ils recevaient un petit colis de mon comité d'entreprise de l'hôpital. Et dans cette tasse, il y avait un paquet avec des chocolats et des bonbons. Milka, bien sûr. Et ben, j'ai gardé la tasse, je la trouve mignonne, le Père Noël a une bonne bouille, même si la marque écrit ça fait rien, pour Noël, je la ressors. Ensuite, on va passer au bredel du jour. Alors, qui dit Saint-Nicolas dit pain d'épices. Moi, quand j'étais petite, à Saint-Nicolas, on ne recevait pas plein de cadeaux, on recevait juste un bonhomme, enfin un Saint-Nicolas en pain d'épices avec une image dessus. D'ailleurs, Céline m'avait offert des vieilles images de Saint-Nicolas de sa boulangerie qui sont vraiment trop trop belles. L'année prochaine, dans le calendrier des bredel, j'essaierai d'en faire avec les images qu'elle m'a données. Donc ça se présente comme ça, c'est vraiment le pain d'épices alsacien en languette comme ça, il n'est pas très épais, il est juste sucré avec bah, du sucre glace. Voilà, et il est très très bon et c'est un des premiers qu'on fait parce qu'il est meilleur un peu rassis. Voilà, ensuite le cadeau de ma petite Céline, le numéro 6. Alors, je pense que c'est une boîte en fer avec des trucs dedans. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Mais je sens le rebord. Je crois que c'est une boîte en fer avec des trucs dedans. Alors voyons voir ce qu'elle nous a concocté. Oui, c'est ça. Oh, c'est trop mignon. Un kit couture comme ça avec un peu vintage. Oh, c'est super. Je pense que tu as trouvé ça. Alors, j'ouvre. Je suis trop, trop curieuse. Alors, il y a un petit plastique qui le protège. Et à l'arrière, il y a tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Pour emmener en voyage ou pour toujours l'avoir sous la main. C'est trop bien. Alors, je remonte le packaging parce qu'il est vraiment trop beau. Un peu années 1900 comme ça. Et dedans, ben, il y a tout ça. Il y a des petites bobines de fil. C'est trop bien, j'adore. Un tout petit ciseau. Comme ça avec un enfil aiguille, deux petits boutons, ça c'est pour les urgences, c'est bien. Deux épingles à nourrice, c'est trop bien. Et encore plein de fils à l'intérieur. Un dé à coudre. Et un tout petit mètre. C'est trop mignon. Et là, je crois que dans le rouge, ouais, il y a encore une aiguille. Je vais la pousser un peu pour que vous voyez. Il y a encore une aiguille, deux aiguilles de couture de part et d'autre, ici et ici. Trop bien. Ben ça, c'est pour les voyages, c'est génial. Pour la globe-trotteuse que je suis, ça va être parfait. En plus, le packaging, j'adore. Petite boîte vintage comme ça, trop, trop bien. Sur les côtés aussi, c'est tout décoré. J'adore. Merci beaucoup, ma Céline. Ça, c'est super. Je n'en avais pas, enfin j'en avais un tout petit qui venait d'un hôtel, mais pas chouette comme ça.
Trop bien, merci, merci, merci. Ensuite, on va passer à notre calendrier Crafter Compagnon. Crafters Compagnon, si j'écorche le nom à chaque fois, ils ne vont plus être d'accord. Alors, le 6. Il est là en bas. Pareil, je vais le prendre contre moi pour l'ouvrir. Bon, j'ai un peu tout déchiré parce que la case là n'était pas très bien découpée, les pointillés. Donc, du coup, j'ai un peu fait des bêtises. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Là, hop. Voilà, je referme. On a un joli pot comme ça. Je vais vous mettre quelque chose de blanc derrière. Un joli pot de fleurs ronds comme ça. On peut aussi prendre pour Halloween, on pourrait croire que c'est une citrouille avec plein de petites fleurs dedans. C'est un tampon. Eh bien, allons voir ce que je vais faire avec. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, eh bien, j'ai scrapé en buvant le thé. Il était, ma foi, très très bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une carte avec le système de la répétition sur du papier aquarelle. J'ai fait un peu des patouilles d'aquarelle et à chaque fois j'ai tamponné ce petit tampon avec une couleur s'y rapprochant. Et dans celui du haut, j'ai pris de l'aquarelle métallisée, celle de chez Action, et j'ai juste tamponné en marron dessus. Voilà ma petite créa avec le tampon du jour, enfin le petit cadeau du jour du calendrier de l'Avent de Crafters Compagnon, on va le dire bien. Alors encore merci Céline pour cette adorable petite boîte, je l'adore. Et puis je vous dis à demain pour déjà mercredi 7. Allez, bonne soirée. Salut, bisous.